Je suis d'accord, Landu, c'est bien, mais n'oubliez pas que je me combats pas super bien non plus, je suis pas le meilleur des combattants sur les terres d'Hyrule. Donc sommes, c'est chaud. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Alors, ça va, le son du jeu est bien. N'hésitez pas à me faire des retours, s'il vous plaît, en termes techniques, c'est très important pour moi. Très important. L'héritage de Zelda. Le chef du laboratoire antique Delimit a besoin de la pierre... De la pierre guide pour réparer la tablette Sheikah, et que c'est évidemment. Elle est hors service. Pour la démarrer, il suffirait d'allumer le fourneau attenant au laboratoire avec une flamme bleue. Ok. Ok, donc en fait, c'est ça. Il nous faut trouver une flamme bleue et raviver la flamme, en fait. La flamme. En fait, on va juste raviver la flamme. Je vais juste faire un truc avant. Je vais voir si j'ai de la place en termes d'armes sur le move. Ouais, j'ai une petite place. D'ailleurs, aussi... Peut-être que je peux le faire maintenant, tant qu'à faire. Je vais vous montrer quelque chose, c'est que il me semble que j'ai pas mal de... d'emblèmes. Ah, est-ce que j'irai pas me chercher soit un cœur, soit un petit peu d'endurance avec ces emblèmes-là avant de commencer, peut-être. Avant de commencer à partir trop loin. Et peut-être, bon, Noa Korogu, on verra plus tard parce que là, il est parti dans les forêts. Mais je crois que je vais aller faire ça avant. Je vais juste mater la map. Il y a moyen de se TP là? Non. Ah, ok, c'est ici le TP le plus proche. Ah, mais de toute façon, il faut que j'aille là. Pour... Oh, bah c'est bon alors. Oui, je fais ça, je me TP là et je fais ça. Ok, c'est bon. C'est bon, on va faire ça. Ah, mais là, faut que j'aille dans l'église. Attendez, je me perds. Ah, mais non, c'est là. Oh là là, c'est vrai qu'elle est gigantesque la map. Donc, faut que j'aille dans ce temple, mais je peux pas me TP dans ce temple là. Pourquoi j'ai mis un truc Korogu là? C'est moi qui ai mis ça. Ah oui, il y en a un au Cocorico, c'est vrai. Il y en a pas un dans... Il y a pas dans ce village-là, je crois. Je sais pas s'il y a dans ce village. Si, chez le maire. Ah ouais? Bah attendez, alors on va faire ça dans ce cas-là. Chez le maire? On va aller juste voir le maire, en fait. Avec une petite descente propre. Pourquoi d'ailleurs c'est chez le maire? Attends, je me rappelle plus, on l'a vu ça? J'imagine que le maire est là. Je vais au hasard, hein. Je sais pas du tout si c'est là. Bonjour. Non. Ok, très bien. Ok. Je casse tout hein, avant d'entrer chez le maire, c'est important. Hop là. Bonjour. Alors. Donc moi, je suis Link et j'aurais besoin juste d'un petit peu d'endurance. Pff, j'ai quand même plus l'impression qu'on est dans une auberge ou quoi là. En plus, il y a personne qui s'en occupe, super. Là, il y a des drapeaux. C'est peut-être officiel. C'est peut-être un lieu officiel. Ah bah non, c'est... Ah mais non, mais c'est l'inverse, en fait. Les gens travaillent... Quoi, c'est ça, la mairie? Le truc, ils font tellement... Ah mais c'est vrai, lui, il veut des sauterelles enduro. On la fera, ça. On la fera, hein, cette quête, c'est sûr. Attends, mais du coup, je suis complètement débile, mais je vois pas où est la mairie. Ah, mais oui, mais je suis complètement con, elle est là, la statue. C'est énorme. Ok, my bad. Donc, on se chauffe sur l'endu? Est-ce qu'on se chauffe sur l'endu? Aïe, aïe, aïe. Alors là, il y a débat. Là, il y a débat, parce que c'est vrai que j'ai, entre guillemets, seulement 3 cœurs, ce qui est le strict minimum. Si on se chauffe pour de l'endu... les combats vont être... Enfin, je suis d'accord, l'endu c'est bien, mais n'oubliez pas que je me combats pas super bien non plus. Je suis pas le meilleur des combattants sur les terres d'Hyrule. Donc c'est chaud. Bien sûr, full endu, go endu. Oh, yo, vous mettez la pression. Hein. Stropol? Non, Stropol, ça va être la vie. Je vote pour je laisse tomber. Cœur. Aïe. Frère, tu vas die en un coup. Je die déjà en un coup, là, en vrai.
Prends les cœurs et tu cheats pour courir à l'infini. Oui, mais non, on va éviter de cheater, non? On va éviter. Cœur égale safe. C'est Manu qui décide. Bon, c'est Manu, c'est Monsieur Chaussette qui décide dans le chat. L'enfer. Endu, mais avec un corps en plus, ça change rien. Bah, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que là, cœur, ça va m'en donner 4. Et je vais forcément croiser des mobs qui me font 4, en fait. Genre là, des fois, je me fais one shot, mais en fait, le truc me met pas 3, il me met 4-5, tu vois. Plus t'auras des cœurs tôt, plus t'auras tôt la Master of Sword. Oula, ça c'est du spoil, ça. Xelios PVP là-dessus, on est en présence de spoil là-dessus. Les mobs font très vite 5. Bah ouais, c'est ce que je me dis. En vrai, le mieux, c'est de prendre de l'endurance. Y'a toujours moyen de faire des plats avec des cœurs jaunes. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est parce que t'es professionnel, Artemis. Billet d'absence pour Warfuzz. Rodrigue. Ok, la réponse de Manu, c'est Rodrigue. Rodrigue, ok, je prends de l'endurance. Endurance. Je me chauffe. Tu vas galérer plus tard avec seulement 3 cœurs. Ah, mais c'est comme ça, c'est, écoute, c'est, on prend des risques, on aime ça. L'endu là-dessus. Et on va juste regarder nos fights, c'est tout, va falloir se concentrer. Va falloir se concentrer. Mais regardez là, je peux tellement faire du delta plane longtemps, ça fait vraiment très plaisir. Alors, donc, on en était où? Donc ça c'est fait. Ça c'est fait, je pensais que ça allait prendre plus de temps. Non, non, j'ai été très réactif là-dessus. Il faut que je rallume donc la flamme qui est là-haut avec du truc bleu. Là, ils me mettent, j'avoue, un petit truc qui m'a un petit peu la puce à l'oreille. Je vais juste aller là-bas, en fait. Et je crois qu'il y a des champs entre-temps, si je dis pas de bêtises. Il me faut des sauterelles enduro parce que je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose hein, avant d'attaquer. Oui, voilà, alors déjà des pommes, c'est bien. Avant d'attaquer quoi que ce soit, je vais vous montrer un truc qui, pour moi, est vraiment très très important. Cette personne, regardez, ce mec-là. Ce mec-là, il est complètement amoureux de l'aubergiste. Je vous explique très rapidement l'histoire, hein, c'est très rapide. Ce mec, il est vraiment... Amel, il est fou amoureux de l'aubergiste. Seul problème, c'est que l'aubergiste, c'est déjà dur de lui adresser la parole, elle est pas très agréable. Et moi, j'ai réussi à lui parler. Et en gros, j'ai essayé de voir potentiellement ce qu'elle pouvait aimer comme cadeau, tu vois. Parce que lui, il aimerait bien lui faire un cadeau pour essayer de l'approcher, lui faire plaisir. Et en fait, il m'a dit, bah, elle m'a dit... qu'elle aimait bien les sauterelles enduro. Mais j'ai lu un peu dans ses pensées à ce même moment. Et en gros, elle disait ça un peu pour genre, je la saoulais. En mode, t'aimes bien quoi? Moi, j'aime bien le chocolat. Allez, à plus, tu vois. Et en gros, je lui ai dit à lui. Et du coup, lui, il veut absolument des sauterelles enduro pour qu'on l'apporte à l'aubergiste. Donc en fait, j'aimerais bien faire cette quête. Il me faut 10 sauterelles enduro. Je crois que j'en ai une, plus que 9. Ouais, je sais, les sauterelles qu'il y en a dans l'herbe. Mais moi, je les fais fuir, en fait. C'est ça le problème. Tu comptes faire les DLC? Honnêtement, si une fois que je l'ai fini, j'ai juste qu'une seule envie, c'est continuer à jouer, ouais, je pense que je me ferai les DLC, ou le 100%, mais ouais, les DLC m'ont l'air sympa, hein. Honnêtement, m'ont l'air très sympa. Je vais juste faire un truc. Peut-être toutes déséquipées pour s'approcher des sauterelles enduro. Parce que le problème des sauterelles enduro, c'est que si je les coupe, là, elles sortent pas. Regardez, y a pas grand chose qui saute là. Voilà. Après là, il fait pas très beau, donc je pense que les sauterelles sont juste rentrées en fait. Voilà, c'est énorme. Là, c'est un max de sauterelles enduro. Mais pourtant, ici, j'en avais chopé, hein. Voilà. Bon, l'objectif n'est pas de faire cette quête, hein. Mais c'est ça, c'est une quête que j'ai envie de faire. J'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe après dans cette histoire. Autant les deux ils s'aiment et ça fait une histoire d'amour sympa, hein. J'en sais rien. Ça repousse vite, hein. Non mais je vais quand même aller voir pour la flamme. Le seul problème c'est qu'effectivement, donc on vient tous de le voir, hein, c'est qu'il pleut. Du coup pour trimballer du feu, ça va pas être une énorme partie de fun, je pense. Ouais, la flamme est là, mais il pleut complètement. On est d'accord, hein. On va attendre qu'il s'arrête de pleuvoir, évidemment. Pendant ce temps, on va aller voir les sauterelles. Parce que là, normalement, il est prévu des nuages cette nuit.
Mais pas de pluie, donc je pense que ça le fera cette nuit. Fais dodo. Non, t'es ouf, il y a toujours un truc à faire, ça sert à quoi de faire dodo? Regarde, là il y a des petites sauterelles, mince. Toujours des petites sauterelles à prendre, toujours des trucs à faire, on va pas aller faire dodo. Parce qu'effectivement, en gros, on peut aller dormir pour faire passer le temps. Ça, je sais pas combien de temps ça fait passer exactement, mais je pense que ça te ramène au matin ou un truc comme ça. Et ça te rend aussi toute ta vie, il me semble. Un truc, c'est quelque chose comme ça. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire dans le jeu que je vois pas l'intérêt d'aller dormir, hein. Je vois vraiment pas l'intérêt d'aller dormir pour le coup. Fais dodo. Mais non, mais y a pas besoin, y a pas besoin. Je suis un mec bouillantissime. Je crois qu'il y a une sauterelle enduro qui vient de passer en haut, qui s'est envolée. Salut Daprima. Je me demande s'il n'y a pas des endroits où il y en a plus, parce que des sauterelles enduro, j'en ai combien là? Ça va être une sacrée affaire ces sauterelles. Ah non, j'en ai 3, plus que 7! Oh, c'est free! Ok, j'en ai 3 quand même. On va juste réorganiser, je pense. 3 sauterelles enduro, donc 7. Le proprio, quand il va se lever, voir l'état de ses champs. Oui, mais après, tu sais, il avait prévu, il me semble, il avait prévu le proprio de ce champ-là de un petit peu élaguer. Et en fait, là, en fait, je travaille gratuitement. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Oh! Plus que 6. Le clutch. Sur les sauterelles, peut-être. Oh, 5! Ok, Ponceface qui est en train de pulvériser l'ensemble du champ pour les sauterelles enduro et c'est en train de fonctionner. Oh! Oh, c'est insane. Il pleut plus. Ouais, mais là, du coup, je suis sur les sauterelles. J'ai plutôt un bon karma au niveau sauterelles. J'aimerais bien enchaîner ça. Un peu de riz. L'écosystème. Mais ça fait partie de l'écosystème, hein. Les sauterelles enduro, ça s'attrape, hein. On l'attrape depuis la nuit des temps, hein, la sauterelle enduro. C'est un plat ancestral sur Hyrule. Non, c'est un classique, la sauterelle. Non, ça fait partie. On est certes l'être humain le plus grand prédateur de cette sauterelle enduro, mais c'est pas. Ça fait partie de l'écosystème. On les a toujours, à un moment donné, mangés, à un moment donné, même domptés. Oh non, elle s'est envolée. J'ai pas pu la. My bad. Non, mais pas de souci, mais faut essayer de suivre aussi l'écosystème. Il est fait. Il est fait aussi de nous, quoi. C'est. Ah, c'est pas très RP, ça. Je suis en train vraiment de clutch. Oh non, il va repleuvoir. Attendez, je vais faire la flamme parce qu'il est prévu à nouveau de la pluie. Hein. Et je sens qu'on va. On va. Oh non. Oh, il y a des pommes. C'est pas grave. Je pense que tu vas faire le 3 coeurs challenge. Non, je pense pas, étant donné mon level exécrable. Ça va être plutôt. Sinon, ça va. Ah d'ailleurs, j'ai pas mis le nombre de morts. Effectivement. Bon, après, c'est un nombre de morts. On a testé des boss et tout. C'est pour ça que je me régale un peu aussi. Je me régale. Je me régale. Je me régale. Bah non, bah je suis complètement con aussi. Est-ce que si je la rentre et que je la ressors l'arme, est-ce qu'elle a toujours le feu? Bah non. À moins que je crée ça, qui reste du coup. Non mais. Si, je pense que ça peut le faire en vrai. Ou alors, ouais, c'est ce que je me dis. Au pire, je descends et je remonte par là-bas. Enfin, je passe par le vrai chemin, en fait. Vite, il pleut bientôt, là. Oh là, les sauterelles. Oh là, j'en vois une. Elle s'est envolée. En vrai, je vais faire ça. Je pense que je vais faire le tour. La musique est vraiment giga pépère. Salut Agathe. Oh, ça va? Ça va bien? Vous allez bien? Les fleurs vont bien aujourd'hui? Est-ce que ça s'éteint les petites torches que j'allume là quand il pleut? Ouais, je pense, hein. Est-ce qu'elles s'éteignent? Hop.
sais pas si c'est utile de tous les allumer, hein. Je le fais de manière absolument random. C'est juste qu'il y a des... Ouais, il y a des petites lanternes sur tout le long du chemin, donc je me dis que ça... C'est peut-être pas pour rien non plus, mais je dis peut-être de la merde, hein, je... Qu'est-ce que je fais là d'ailleurs en termes de map pure? Ah ouais, c'est pas... Oh ouais! Oh vite avant la pluie, hein! Mais je crois que j'ai pas vu. Ok, prochaine intersection à gauche. Pas celle-là. Hop là. Ça fait des sauvegardes propres. Mais voilà, c'est ça, c'est si jamais je fail, je me dis que je pourrais allumer ma torche plus près. Je la joue safe en fait. Purement et simplement là-dessus. Petit message aux fleurs, mettez des fleurs dans vos pseudo Twitter pour plus de douceur. Ça peut amener à de la douceur, Zwanes, t'as pas tort là-dessus. Salut Shine Off. Allez, ça va le faire pour le joueur français, l'athlète olympique là-dessus qui ramène la flamme en bout de course. C'est bien fait, hop. Et plus qu'une seule étape pour Link, le sportif olympique. C'est quand même très simple cette quête. C'est quand même pas la quête la plus dure celle-là. Hein. C'est pas l'énigme la plus tendue. Hein. Il a du cardio Link. Bien sûr, Link est très chaud. Salut Xagon. Bien sûr, Link a un bon cardio, ouais. Allez prévenir le chef du laboratoire. Bah attends, c'est parti. J'arrive avec la flamme. Ah non. Link, t'es trop fort, regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais là, du coup, il va se passer quoi? En vrai, je crois que je l'ai jamais fait de ma vie, ça. Il va me falloir un magnifique Wistiti, je t'écoute. Peut-être changer d'avis, là, sur le move, j'avoue. Peut-être qu'il y a un changement d'avis. En fait, je suis pas sûr, en fait, de vouloir dire Wistiti. Ça dépend ce que ça m'apporte en fait. Là tu me demandes de dire Wistiti pour activer des modules que je ne connais pas. Allez Wistiti. Super méga trop bien. C'est parti mon kiki, resteront ta tablette Sheikah. Déverrouillage de la pierre guide. Bah go, j'y vais. Ah oui, appareil photo, encyclopédie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme ça, je vais pouvoir voir... je sais plus à quoi ça sert exactement l'encyclopédie. C'est pour voir tous les monstres. Et du coup, quand tu les re-rencontres, tu sais combien ils ont de vie avant de les frapper. Non. Je sais même plus ce que c'est. Appareil photo et album, ça, je m'en rappelle. Il y a des souvenirs, putain. C'est... Il y a des souvenirs à prendre en photo et à... Ah ouais, à capter. Il y a 7 souvenirs, un truc comme ça. Plus, en fait. Je sais plus. 15, 12. La coûte. Fige une scène réelle et la change en image. C'est un appareil photo, quoi. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Il y en a 12, donc. Animaux. Ah, voilà, c'est ça l'encyclopédie où on peut... Ah, il n'y a pas les recettes, non. Il faut... Ah oui, il faut prendre en photo les monstres, peut-être, pour... C'était ultra génial, alors, tout s'est bien réactivé. Oui, ça a l'air ok. Encyclopédie, ok, ouais, album, ok, super, tout bon, ouais. Si on passait aux choses sérieuses. Tu veux pas essayer de me prendre... Ok, j'ai eu peur de me prendre en photo avec ton appareil. Bah vas-y, vas-y. Plus c'est énorme, j'ai absolument que ça à faire. Bah voilà, ça va être juste une photo là-dessus. Voilà. Oh, le petit mode selfie qui est propre là-dessus.
L'entrée a été créée dans l'encyclopédie bouclier de l'égide. Mais non, mais c'est un selfie. Ok, bah lourd. On a capté le bouclier, c'est propre. C'est très propre là-dessus. Je la mettrai sur Insta, celle-là, je pense. Oui, Stitty! Oui, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Oui, j'en ai pris une. Super. Montre. Bah, je vais te montrer tout ça, en fait. C'est une photo de toi, voilà. Plutôt stylé, plutôt bien cadré, plutôt propre. C'est qui ce canon? Elle est énorme. C'est qui cette belle gosse sur cette photo? Je suis con, c'est moi. C'est des photos de paysage. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. T'étais bien son chevalier servant, non? Alors tu devrais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos. Oula! Tu as perdu la mémoire. Bah ouais, c'est ça le truc. Ah, peut-être que ces photos pourraient m'aider à retrouver la mémoire. C'est ça en fait le truc. Faut que j'aille voir Impa donc. Et après, tu veux des matériaux antiques. Ouais, on te donnera des trucs sympas en échange. Mais attends, j'en ai déjà pas mal en plus. C'est qui, c'est à qui que je peux les donner les matériaux? Parce qu'en vrai, ah non, c'est après Impa. Ah non, c'est après Impa. Parce qu'en vrai, j'en ai récupéré pas mal la dernière fois, j'en ai récupéré plein. L'autre scientifique. Faut vraiment que je retourne voir Impa. Ok. Du coup, Impa qui est au village Cocorico. Oh ah ouais. Je TP. Tampon. Pourquoi j'ai mis un tampon là? Il y a quoi? Ah oui, il y a un monstre. Pourquoi j'ai mis un Korogu là? Est-ce que les Korogu se mettent automatiquement quand j'en trouve un? Ça, c'est une vraie question. T'as déjà fini le jeu? Bah non, justement, c'est le principe. C'est le principe. Oui, ah d'accord, ok, ok. Parce que depuis tout à l'heure, j'en vois sur la map et je suis en mode, mais je n'ai pas mis ça. Ok, c'est propre. Et donc là, village Cocorico. Putain, à chaque fois j'oublie que la map est absolument gigantesque. Est-ce que j'y vais en TP? En vrai, je pense, hein. J'ai pas vraiment de choses à faire sur le chemin. Alors celui-là, alors oui. Celui-là, on l'a pas fait. Au final, on l'a pas validé, je vous le rappelle. Parce que c'est le combat est compliqué, il me faudrait beaucoup de flèches. Mais il y en a un là. Après, il y avait une île par là. Je sais plus où, il y avait une île au loin. Mais on a fait combien de sanctuaires ici? Un? Deux? Trois? Ouais, c'est ça, j'ai pas fait quatre sanctuaires ici. Hein. Il te faut des cœurs aussi. Mais non, t'inquiète, ça c'est surfait ça. J'y suis allé là? Ah oui, c'est... Oui, j'y suis allé. Ok, je vais juste TP là, je pense. Je vais juste TP là, je crois que j'ai pas grand chose à faire sur le chemin. Il me semble que j'ai pas... Vu que c'est des zones déjà découvertes et tout. Par contre, il va falloir se faire une nouvelle zone aujourd'hui, c'est sûr. De toute façon, la quête principale va m'y amener, je pense. Oh, faut pas qu'on oublie les sauterelles. On a oublié les sauterelles enduro là-dessus. Faudrait que je retourne faire les sauterelles quand même, je pense. Bon, je te conseille d'acheter les DLC, il y a une option qui te permet, entre autres, de voir tout le chemin que t'as parcouru depuis le début du jeu. Ça doit être stylé, j'avoue. C'est pas mal. Madame Impa. Bah non, elle est juste là, en fait. Elle est où la fille qui a eu peur en me voyant, qui était giga timide là? Je suis sûr qu'on va finir ensemble. Elle était très timide, elle avait eu peur quand elle m'a vu. Quand elle m'avait vu, elle avait eu peur parce que j'étais un garçon et qu'elle voit pas trop de garçons et qu'en plus j'étais son garçon préféré. Peut-être qu'elle est en haut. Le plaisir de la retrouver en vrai. Ah! Ok. Bah non, tu as Zelda. Bah attends, Zelda, on l'a pas encore sauvé, hein. On l'a pas encore sauvé, donc en vrai, tant qu'on l'a pas encore sauvé, il peut se passer des choses, hein. C'est ce que je veux dire. Le pire mec. Non. Ah bon? Il se passe rien du tout. Non, bah que fais-tu? Je sais pas, j'ai vu ça, je voulais tester ça.
C'est mon âme qui peut pas toucher ou... Ah non, c'est vraiment... D'accord. Ok, bon, je suis très étonné. N'empêche qu'on avance, hein. Bon, je lui montre du coup ma tablette. Elle va me parler des souvenirs, je pense. C'est des photos d'il y a 100 ans. Ok, donc en gros, le fait de pouvoir retrouver potentiellement ces 12 souvenirs, peut-être ça peut me ramener de ouf la mémoire en fait. Vraiment. Reviens me voir quand tu auras visité l'un des lieux représentés sur les photos. J'aurai quelque chose pour toi. Oh, ça me donne grave envie du coup en vrai. Ça me donne vraiment envie d'aller chercher les photos. Dans la quête principale, j'ai quoi? Les créatures divines, évidemment. Abad Ganon, évidemment. Honnêtement, je vais aller chercher un endroit. Mec, t'es trop beau, c'est la vérité. Ok. Attends, quoi? Pourquoi ils veulent que j'aille là pour ma quête? Ah mais non, c'est Impa qui est là. Mais il faut que je ramène une photo. Compliqué les photos, ouais, pas évident. Tiens, je vais regarder, je vais quand même regarder. Oh, il y a plein de pommes ici. Je vais quand même regarder où est-ce qu'il y a. Attends, non, bah non, du coup, c'est dans journal. C'est là? Non. C'est dans quoi? Album? Oui, c'est ça. C'est les 12 premières photos de l'album. Alors, on a quoi ici? Ça, donc, j'ai jamais vu. Ça. Je pense savoir où c'est. Ça, je sais où c'est. Ça, je pense savoir où c'est, parce que je reconnais les deux montagnes au fond, qui sont les deux montagnes où il y avait les deux sanctuaires opposés. Donc ça, c'est trouvable. Honnêtement, c'est trouvable. Un peu plus chaud. J'y suis pas allé, c'est sûr. Ça, c'est là où il y a les... je sais même plus leur nom, là, dans le sable. Là où il y a le dromadaire. Ça, j'y suis pas allé, c'est magnifique. Ça, je ne pense... J'y suis pas allé non plus. Je n'y suis pas allé non plus. Je n'y suis pas allé. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ça, non, pas encore, en tout cas. Ça non plus. Ça me fait penser vachement à un paysage de Game of Thrones. Je sais plus, ça me fait penser à une scène en particulier, mais je sais plus laquelle. Ça peut être partout, n'importe quelle forêt du monde. Alors, par contre, je précise, là, dans ces moments-là, je regarde pas trop le chat. Pas trop de backseat, ne me dites pas, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Non. Même si vous savez, GG pour vous. Mais en vrai, non, bah, mon but, c'est que je le trouve un peu au hasard. Je vais tenter ça. Honnêtement, je vais tenter ça, je pense. Parce qu'en fait, ça m'a l'air d'être sur le plateau du prélude. Alors, j'ai peut-être tort, mais j'ai un petit pressentiment sur le plateau du prélude. C'est où déjà les deux collines? Elles sont là. C'est là. Je suis sûr que c'est là. Je suis sûr que c'est genre là. Je suis sûr que je suis juste le boss, en fait. Parce que c'est là. Il me faut... je vais monter en hauteur ici et sauter. Je vais mettre un marqueur. J'ai une certitude là-dessus. Je mets la balise comme ça. Je me TP. Parce qu'en fait... En fait, là, j'ai vraiment l'œil, en fait. Je pense que j'ai vraiment l'œil. Je clutch. Hein. Je clutch là-dessus. C'est vraiment un clutch énorme. Je pense que je me ferai la cuisine après pour essayer de me faire des plats qui me donnent des cœurs jaunes. C'est-à-dire des cœurs supplémentaires si jamais j'entame des fights un peu compliqués ou quoi. Et les sauterelles, on ira le faire, évidemment. Évidemment, les sauterelles, on ira faire ça. Alors, donc là, on va suivre le bleu-violet, là. Ouais, voilà, c'est du bleu-violet. C'est par là, ce serait potentiellement par là. Les deux montagnes sont là, hein. Là, je suis tout en haut d'une des deux. Ouais, c'est ça. Et là, je vais vers le bleu. Je vais monter en pointe. Un point là-dessus. Un point, Mino. Regardez, grâce à toute mon endurance, je peux très facilement escalader ces endroits. Oh.
Ah mais j'y suis déjà allé. J'y suis déjà allé du coup. Alors. L'angle, ce serait quelque chose comme ça. Tu as déjà joué ou pas du tout? Parce que le titre, c'est On recommence. En fait, j'y ai déjà joué 60 heures à peu près, un peu plus, mais je ne l'ai jamais terminé. Merci Swanas, il y a la commande BOTW pour vous expliquer. Donc en gros, j'ai joué 60 heures, mais je ne l'ai jamais terminé. Et tu sais, c'est le genre de jeu, si tu joues pas pendant X temps, X étant, bah, on va dire 10 jours et plus, quoi. Eh ben, c'est... Non, j'abuse, mais si tu joues pas pendant un mois au jeu, tu reviens, ben en fait, t'es un petit peu perdu. Et c'est moi ce qui s'était passé, du coup, ça m'a découragé et j'ai repris. La grande à droite. La grande est à droite. La grande est à droite. Mais non, mais c'est bon. La grande sera à droite. C'est vraiment parfait ce que je suis en train de produire par contre. Est-ce que là, quand je me retourne, je vois la grande à droite? Oh là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Sauvage, pour le 4e mois. C'est très solide, les 4 mois. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ah, c'est un très beau Prime, ça. Il y a des gens qui utilisent, très très bien le Prime et tu en fais partie. Merci beaucoup. Directement, je me fais complètement attaquer par des globules bleus. Par contre, là, faut que je trouve le lac. Faut que je remette la photo. Petite pointe. Machin. Petite pointe. Trois petits arbres. Petite pointe, trois petits arbres. Tac. Petite pointe, trois petits arbres. Petite pointe. Trois petits arbres, ruines. Petite pointe. Ruines. Oui. Oui, il va falloir courir un petit peu là, je pense. Hein. Il va falloir courir, mais je crois qu'il faut que je traverse. Peut-être la petite pointe, qu'on voit là-bas, là, au bout. Il y a une petite pointe. Faut qu'on aille tester ça. Flow là-dessus. Oh là. Est-ce que je peux le traverser? Oh là 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 là. Il va falloir que je me... Que je traverse un jour ou l'autre, je pense. Hop les. On va la faire comme ça parce que j'ai envie de la faire comme ça. Comme ça, si on sera tombeur, c'est marrant. Et merci beaucoup, Brossor, pour le sub T1. Bienvenue à toi dans le milieu de la fleur, mon pote. Merci beaucoup. Et n'empêche que sur la très bonne utilisation du sub T1 de la part de Brossor, j'ai quand même récupéré des petites flèches électriques. C'est plutôt propre. Tam tam tam. Ok, donc là il y a des ruines. Je vais juste faire un petit coup de perspective pour voir si on s'éloigne pas trop quand même de l'objectif. C'est encore plus loin, évidemment. C'est plus loin. C'est beaucoup plus loin. Ouais. Le cours d'eau plus au sud est où? Ah! Ah oui, d'accord. Ah, je vais carrément dans un endroit... Ah, d'accord, ok. Ah ouais. Ah ouais, je vais beaucoup plus loin, là. Ok, bah go. En vrai, go.
Tu ne galères pas avec 3 cœurs? Si, si, si. Bah, c'est-à-dire, dans un combat, je me prends un coup, je meurs, quoi. Mais après, bon, c'est le jeu. J'ai envie de te dire que c'est le jeu là-dessus. Et... Ah, tout simplement, c'est maîtriser ça. C'est juste maîtriser en fait. Ouh! Vingt morts. Alors les 20 morts viennent du fait... Enfin c'est tout simple hein. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'il y a un moment j'ai eu au moins 7 morts, je crois, d'affilée sur un énorme mob qu'on voulait tester, tu vois. On s'amuse, on est là pour s'amuser, on testait, tu vois. Bon bah voilà, ouais, j'avoue qu'il y a pas mal de morts là-dessus, j'avoue. Les ruines. Ça m'intéresse, ces petites ruines. J'entends un truc là. Donc alors. Potentiellement. Je crois que c'est encore beaucoup plus loin. C'est vraiment beaucoup plus loin. Oh, ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ok. J'ai vu que les arbres aussi, c'était pas des arbres comme ceux-là. Si je dis pas de bêtises, c'est des arbres, regardez, ouais, c'est des arbres avec les... Ah mais c'est peut-être juste la lumière qui fait ça. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes arbres quand même. Mais il me faut un cours d'eau. Est-ce qu'avec du soleil, ça rendrait blanc comme ça? Je sais pas. C'est les petits sangliers. Bonjour Ambrose. Faut être très observateur. J'entends des bruits, hein. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a bien du bruit là. Il est chiant. Aïe! Ils sont chiants, hein. Je vais juste changer d'arme, je vais prendre ça. Laisse-moi chercher en paix. Je suis un peu en galère en termes de recherche, là, j'avoue. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est plus loin dans le sens où sur la photo, les... Oh, quel enfer. T'es sérieux, là? Cet endroit est infernal. Oh! Oh! Allô? Je vais manger un max de pommes. Voilà les arbres blancs là-dessus. C'est exactement ça. Merci beaucoup Rivendi pour le host. C'est très gentil. J'espère que tu vas bien, mec. Tu joues toujours avec 3 cœurs. Ouais, là on est sur du 3 cœurs. On est sur du 3 cœurs, j'avoue. Ok, bon. Je pense que j'ai vraiment trouvé là-dessus. Il y a des ruines ici, il y a un cours d'eau et je vois des arbres à écorce un petit peu plus claire, blanche. Ça peut être ça. Salut Pont, salut Brise, salut à tous ceux qui arrivent. Ok, maintenant faut trouver le petit... la petite remontée de terre qui serait potentiellement... La chose à trouver là-dessus. Une petite remontée de terre quelque part. Peut-être... peut-être là-dessus. Non. Pas non. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Merci beaucoup, Espara, pour le troisième mois. C'est encore une fois extrêmement solide de ta part et je t'en remercie. Un max de fleurs. Merci beaucoup. C'est pas juste en face de moi. Oh, non, pourquoi j'ai fait ça? Je vais mourir. Parce qu'on est d'accord, là, je peux pas faire ça. Je vais juste mourir.
Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis suicidé comme ça dans l'eau? Alors que je vois la montée de terre devant moi là. Oh god. Oh god. J'ai bien fait de prendre de l'endurance? C'est vraiment worse l'endurance. Personne ne pourra dire le contraire. Regardez ce que j'arrive à traverser à la nage sans aucun problème. C'est ça là où 100%. T'es mort, bro. Bah, la preuve que non, mon petit Rive. Attends, Rive, attends, je sais que je peux t'appeler. Ah, mais non, je peux pas t'appeler là, t'es à l'auberge. C'est pas ça du tout. Mais. Trop chiant ça. Merde, y'avait rien ici. Ouais, ouais. Sérieux? Y'en a un autre? Vas-y, rien à foutre. Quoi? Non. Non, je voulais pas du tout tirer. On fait ça. Non! Vite, le temps. Non! Quoi? Il y a encore des gens? Ah! J'ai un peu paniqué, j'avoue. On t'a connu meilleur. Ouais, dans le lancer de bombe, moi aussi, mais c'est 14 noix! 14 noix, en vrai, c'est solide. Alors, donc. Tout ça, machin, truc, en face. Est-ce que c'est vraiment un petit truc de. Le bas zéro flèche? Est-ce que c'est vraiment un tout petit truc de terre? Ouais, c'est vraiment un tout petit truc de terre. Faut que j'arrête de dire, ouais, grosse montée de terre, tout ça. Ouais, c'est en fait, c'est juste ça, en fait. Je le vois en face de moi. Regardez. Ok, j'ai cru que j'allais me faire attaquer par un cerf, j'avoue, j'allais bégayer un peu. C'est ça, c'est obligatoirement ça. Ça peut être que ça, en fait. Moi j'allais sortir mon appareil photo là. J'allais sortir mon appareil photo. Oh! Est-ce que ce serait pas le moment cinématique? Est-ce que ce serait pas le moment cinématique? Il me semble que oui. Amusez-vous bien. Le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacé plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine, c'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame? Est-ce que tu l'as déjà entendu? Oh.
C'est effectivement énormissime hein, ce qu'on vient de vivre. Ouais, il est un peu faible le son. Ouais. Ouais. Bon, bah, on a vu ce souvenir. Mais honnêtement, très 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 ému. Très ému, très ému, très ému. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je suis un petit peu sous le choc là-dessus. Je vais juste aller voir Impa et puis elle va me dire ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, Impa est là. Attends, merde. Non. Non, Impa est à Cocorico. Oh, j'ai failli faire l'erreur là-dessus! Ok, c'est parti. J'ai failli faire une énorme erreur. Antoine qui fait du bon boulot. En termes de son, Antoine, il taffe. Ouais, il taffe pas trop mal. Je te cache pas, il taffe. C'est sûr. Eh bien, on va en profiter. Ah, mais non! C'est Impa. En fait, j'aimerais bien quand même... Est-ce qu'on s'occuperait pas des sauterelles comme ça c'est fait? Peut-être. Est-ce qu'on s'occuperait pas des sauterelles un jour ou l'autre aussi hein? Merci beaucoup là-dessus, Shrid. C'est très bien fait, le prime. Très bien fait en fond de cours, comme dirait Rivenzi là-dessus. Avec ce commentering de qualité. Et c'est une belle balle hein, qui est mise juste derrière la ligne du fond de cours. C'est bien fait, merci. Hop là. Impa. Yo Impa, j'ai vu un souvenir. Hey. Tenue de prodige. 5 d'armure, ah c'est insane. Par contre, j'ai... Ah ouais. C'est ceux de la cinématique en fait. Le bleu. C'est propre. Attends, mais c'est propre là ce que tu viens de me donner par contre. C'est très très propre. Le seul truc que je suis en train de me dire c'est que... Je crois que là j'ai une tenue... Ah non, j'ai une tenue pour le froid. Oh bah je vais juste changer hein. 5 d'armure. Là-dessus ça peut... Moi qui ai seulement 3 HP ça peut... Oh en plus elle est stylée. Ça peut me faire tenir. On va faire la sauterelle hein. Tu veux pas te venger sur ces poules? Non mais vous m'avez pris pour un pigeon fini ou ça se passe comment? Vous voulez pas vous... Je vais pas toucher... Je touche pas les poules hein. C'est mort. Votre album contient 12 photos qui ont été prises par la princesse Zelda. Si vous vous rendez aux endroits représentés sur les photos, vous retrouverez peut-être les souvenirs que vous avez partagés avec la princesse. Il vous reste 11 endroits. Close. Très close. Très très close. Hop, on va aller faire les sauterelles. Je vais juste me téléporter au village là. On va aller faire les sauterelles parce que je vous rappelle, il y a une histoire d'amour qui est en train un petit peu de naître. Entre un mec un peu... Je l'aime pas trop, j'avoue, je l'aime pas trop. Et une aubergiste. Une aubergiste. Alors en gros pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, l'aubergiste elle aime pas trop parler. Du coup le mec n'osait pas trop la draguer. Et il savait pas trop comment faire pour l'approcher, l'aborder, discuter avec elle. Donc moi je suis allé discuter, je lui ai dit bon qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi. Et en gros elle m'a dit des sauterelles enduro. Mais sauf qu'elle a dit ça en mode comme ça je suis débarrassé de lui. Mais pas du tout en mode elle aime vraiment les sauterelles enduro. Donc là je vais quand même aller chercher des sauterelles enduro pour le mec. Parce que clairement il me fait je ressens un petit peu de pitié. Mais en soi elle s'en foutra. Et je pense qu'il va se prendre un Zef. Un vent. Un Zephyr. Mais on va quand même aller chercher les enduros. Et après, ce que j'essaierai de faire peut-être, ce sera d'aller dans la forêt. Elle s'appelle comment la forêt? Merde, je sais plus. Une forêt où, vous savez, il y a la personne qui m'échange mes noix Gerudo contre des emplacements. Pour améliorer un petit peu mes sacoches. Je pense que je ferai ça. Oh, close là-dessus! Alors des sauterelles, je crois que j'en ai 6. 7, c'est énorme. 8, c'est énorme. J'ai l'impression que quand il fait soleil, il y a plus de sauterelles hein, que quand il pleuvait. Non? J'ai l'impression qu'elles sortent un peu plus, hein. Ok, je crois que j'ai tout fait là. Elle se... Oh non, elle s'est envolée! Elle s'envole! Elle est partie. Et merci Diasco pour le 3e mois! Ça, c'est un bourgeon qui fleurit. Ça, c'est un bourgeon qui fleurit et je te remercie là-dessus. Et billet d'absence pour Jikan, billet d'absence pour toutes les personnes qui arrivent à partir de maintenant. Les modérateurs sont autorisés à signer les billets d'absence. Pour aujourd'hui. Seulement.
Je viens de revenir, encore en train de chasser les sauterelles. Non, entre temps. J'avoue que si quelqu'un AFK, il y a une heure quand je cherchais des sauterelles et revient maintenant, il se dit putain gros quand même, la quête, il veut la faire. Non. Entre temps, on est allé chercher des souvenirs quand même. Non. On a trouvé même un souvenir. Que j'ai clutch. En vrai, j'ai un peu... Avouez que j'avais pas l'endroit exact sur la map, mais j'ai quand même clutch. Moi, je suis assez fier de moi là-dessus. Sauterelle enduro 11, on a même une de trop. Merde, il est où? Ah, il est là. Merci beaucoup, Clujao. Ave le carton. Tiens, je vais mettre du Ave le carton dans le chat, ça fait toujours du bien. Voilà, hop, Ave le carton, ça me fait toujours du bien. Ah merde, c'est pas lui. Merde, je sais plus où c'est. Ah, c'est lui. Oh, la forêt lune de... la nuit lune de sang là-dessus, j'avais pas... J'étais pas prêt. Ok, j'étais pas prêt là-dessus. Donc lune de sang, pour ceux qui connaissent pas du tout, lune de sang, c'est ça fait rip-hop en fait tous les mobs. Hein. En gros, c'est ça. Regarde, il est paniqué lui là-bas. Par contre, il est parti le mec. Il est là normalement. Il est toujours avec son âne. Oh, vous foutez de ma gueule. Il est pas rentré pour lui parler sans moi quand même. C'est elle, hein, l'aubergiste. Deux mecs absolument pas discrets. Attendez, je sais ce que je vais faire. Oh, c'est très maniable. Très très agréable en termes de maniabilité, c'est propre. Non mais... Mais je suis dans l'autre sens. Mais... Je suis dans l'autre sens. Mais tu sais, je veux juste montrer ça au mec. Et comme ça, je fous la haine. Je mettrai ça en story sur Insta, je pense. C'est assez immonde. Hop. Sauvegarder. Tac. Sabre de la défiance. Ah bah vous voyez, je remplis mon encyclopédie. Vas-y, je mettrai ça en story, je pense que ça lui foutra grave la haine pour le coup. En vrai, moi, ça me foutrait la haine. Mais maintenant, on va le retrouver. On a 10 sauterelles et une story Insta. Mais par contre, il casse les couilles, il y a une partie, là. En plus, il est 2h du mat. C'est pas du tout... C'est le début de la nuit, quoi. Bon. Bah, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être faire un petit peu de cuisine en attendant. Cette flamme... Est-ce que je peux la transporter, vous pensez? Non, elle mourra d'ici là. Est-ce que j'ai du silex? Je fais n'importe. Silex, je crois que j'en ai un. Ouais. J'en ai ici. Prendre. Je vais mettre du silex ici. Non, là. Je vais juste fracasser ce silex. Ça, c'est du métal. Quoi? Quoi? Alors dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fagot de bois. Un fagot de bois et du silex. Voilà. On va faire un truc, ça va fonctionner, c'est sûr. J'ai plus qu'un silex après. Non. Mais non. Mais reprends pas ton fagot de bois. J'y vais avec la lance quand même pour prendre zéro risque. Ah c'est bon, c'est au bon endroit. Oh c'est propre. C'est propre. Et là ce que je vais faire maintenant,
C'est que je vais faire un petit plat, je pense, à base de pommes, champi-glagla et venaison. Et ça va me mettre un... ça va me mettre bien, ça. Voilà. Protection contre la chaleur. Donc, si jamais je vais chez les Gerudo, par exemple, ça peut peut-être être bien. Je crois qu'il fait chaud là-bas. Après, ça rend beaucoup de PV. En fait, moi, j'ai pas besoin de trucs qui rendent des PV. C'est ça le truc. En fait, je pense que je mets une pomme et un truc glagla. Et en fait, ça me va. J'ai pas besoin de gagner des PV. Ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Et avec le nombre de pommes que j'ai, je vais pouvoir me faire un nombre de prépas. Je suis préparé pour Gerudo. Hop. Mélange les insectes et les morceaux de monstres pour avoir des potions plus puissantes. En fait, le truc c'est que j'ai pas de PV. Mais plus puissant, tu veux dire peut-être en termes d'effet? Attends, je vais tenter un truc. Le crabe, particulièrement inséré, ce crabe contient des agents qui renforcent les muscles. Les préparations qui en contiennent augmentent l'attaque. Donc là, je peux faire un truc qui augmente l'attaque et qui me fait résister à la chaleur. Ouais, mais... Je vais pas manger. Je vais pas faire une sauterelle, je les ai réservées pour le copain. Si je mets une corne, ne peut pas servir d'ingrédient dans vos plats, mais elle est parfaite pour préparer des remèdes. Assez explicite quand même. Hein. Peut-être une petite herbe glagla? Ouais! Je fais ça. Pendant 5 minutes 30. Là, c'est solide. 5 minutes 30, c'est solide. Elle fait quoi, ça? N'a aucun effet spécial et souvent utilisé en cuisine. Ok, donc c'est un peu comme une pomme, une baie, quoi. Mais je pourrais peut-être me faire des pommes grillées, ça fait longtemps. Vous avez vu comme j'ai step up quand même en termes de cuisine, c'est assez insane. Hein. La première fois que je jouais à Zelda, enfin à cet opus-là, je ne faisais jamais à manger et je me rendais compte que j'étais bloqué dans des endroits, je me disais putain, mais en fait faut juste faire à manger quoi. Et je ne le faisais pas parce que j'étais juste un énorme tardasse. Tu vas commencer par quel domaine? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, je suis vachement au feeling, j'avoue. J'aime beaucoup tout ce qui est feeling. J'aime beaucoup tout ce qui est instinct. Je suis un grand fan d'instinct. Ouais. Boulette de riz. Pour faire des boulettes de riz. Tiens, ça peut être intéressant, c'est si je fais ça. Bon, c'est un peu osé, hein. En gros, ce que je fais, c'est une viande à la truffe avec du riz. Voilà. C'est un parfait repas que je suis en train de faire. Et regardez. Regardez ce que je suis en train de faire. C'est ce qu'il nous fallait. Des trucs qui augmentent notre vie maximum. Vu qu'on joue à 3 cœurs, parfois ça peut être utile. Là, on a de la récupération totale plus un cœur bonus. C'est énorme. C'est énormissime. Mais du coup, j'en ai plus. Enfin, j'ai toujours du riz, quoi, mais... Attends, je peux faire du... Une banane au lait? Des soupes ou des flans? Attends. Du lait, du riz, du banane. Ça fait un gâteau au riz à la banane. Ou un milkshake. Riz, banane. Un lait chaud, robusto. Ça augmente mon attaque pendant 3 minutes 10 quand même. Attends, il est pas revenu l'autre. Non, c'est bon. En même temps, il est 3 heures du matin. Ok, c'est propre. Je pense que je vais juste faire des pommes grillées. Là, parce que les pommes grillées, ça paraît bête, mais vu que j'ai très peu de vie, ça me permet de regagner beaucoup de vie. Attends, est-ce que ça va cuire là? Oh là là, ça cuira jamais. Ça cuit pas. Ah, mais attends, mais je suis bête, j'en ai juste là. Non mais... Sérieusement, mais mettez-vous dessus. Enfin, pas dessus, mais genre roulé. Voilà. Par contre, faut aller très très vite, hein, ça va très vite.
Ouais, j'ai perdu un peu d'HP, mais c'est pas très grave. Cette pomme, elle veut pas griller? Alors, je vais voir ce que j'ai. Fleur Silencio, donc ça, c'est pour être plus discret. Ça peut être intéressant, en vrai. Merci beaucoup, Ketsuga-sama, pour le quatrième mois. La bise. Merci beaucoup, c'est adorable. La bise à toi aussi. Je te fais des énormes bisous là-dessus, j'avoue. Avec du sel. Pomme sel. Une bouteille de lait. Non, on va faire ça. Je vais faire ça. Ah, je me brûle. Silencio, ce qui peut me permettre d'être plutôt discret et pouvoir passer dans des endroits où j'ai pas l'habitude d'aller, c'est bien. Silencio aussi. Vous savez quoi, je vais faire ça. Ça, je pense, ça rend beaucoup de PV en fait. Alors que le Silencio, ça va me rendre au moins 3 coeurs, non? Parce que l'herbe d'Hyrule tout seul, c'est 1 coeur. Ce qui est assez insane. Ouais, c'est 3 coeurs quand même. En fait, ça me sert à rien de faire ça parce que Silencio, je l'utilise pas forcément dans un combat pour être plus discret en plein milieu d'un combat. Donc je vais plutôt faire ça. Ça me rendra peu de PV, mais au moins il y a l'aspect Silencio qui est là. Salut Soyuz, billet d'absence, mec. On est sur une petite séquence cuisine et ça fait pas de mal en vrai. Bon, si t'aimes l'instinct, enlève les huttes de mystère, tu pourras profiter des points de vie et l'immersion sera encore plus mieux. Ouais. À voir. Attends, j'ai un truc intéressant. Ah, oh. J'essaie un truc solide. Genre un truc qui me... Vraiment. Bon. En fait, j'ai fait de la merde. Ça me donne... Ouais. Bon, ça me fait aller plus vite quand même pendant 4 minutes 30. Mais ça me rend énormément de PV. Je voulais pas exactement faire ça, j'avoue. Parce que là, c'est 4 minutes 30, ça c'est combien de temps? Ah, ça m'augmente de niveau 2? Alors que j'ai mis juste... Attends, quoi? J'ai fait quoi tout à l'heure? J'ai un doute, là. Attends, on va juste réorganiser. Voilà. Ah ouais, voilà, c'est ça, hein. Ça m'améliore de niveau 2. J'ai juste eu de la chance. Je commence à avoir un peu tout. Ça fait plaisir en vrai. Hein. Non. Ah si, c'est ça. Ça, j'ai pris. Tempo. minutes 30. Oh, c'est insane. Ah bon, en fait, je peux... Si je gère bien, je peux aller tout le temps plus vite, en fait. Truc d'armor, j'en ai déjà, je crois. Non, mais je vais pas enlever... Je vais pas enlever l'interface pour l'immersion. Non, je joue avec, en vrai. J'aime bien la carte et tout. Non. Ça va, c'est ok. Je trouve franchement que la... Ouais, je trouve ça très très propre, moi. De manière générale, l'écran est plutôt clean, tu vois. Je le trouve même super clean. Moi, ça me va parfaitement comme ça. Hein. Honnêtement, hein, je te le dis honnêtement. Hein. Je te le dis de but en blanc. Hein. Il y a une de sang. Oui, il y a une de sang, Rochero. Salut, sur un billet d'absence, mec. Il y avait la lune de sang. Là, je vais juste me faire un truc qui rend des PV, je crois. Il m'en faut un peu quand même juste des trucs random qui rendent des PV. 3 PV serait parfait. C'est lourd. Il suffit de le demander, en fait. Là, je fais des trucs classiques qui me rendront juste des HP. Parce que dans les combats, des fois, Je mange un truc qui me rend des HP, mais qui me donne un autre bonus qui me sert pas vraiment au combat. Et donc, du coup, je suis un peu déçu. C'est un peu de l'overuse, quoi, j'avoue. Salut, Mystery Panda. Ça va et toi? T'as regardé... Te regarder jouer à Breath of the Wild, ça m'a donné envie de recommencer. Et j'avais pas fini comme toi. Bah, franchement, moi, je le dis, c'est mon seul regret sur la Switch, c'est de n'avoir jamais fini ce jeu sur lequel j'ai déjà passé
Là, je suis déjà quasiment 100 heures de jeu sur le jeu alors que j'ai jamais terminé. Je trouve ça tellement dommage. C'est tellement dommage. Il est tellement bien que ça me frustre de pas finir ça. Et puis surtout que les DLC ont l'air bien. Le 2 est annoncé. Franchement, il faut le terminer ce jeu. Il va tellement vite, on suit zéro sur le G-Doc. Zoanès, t'inquiète. Là, c'est des trucs de base, regarde. C'est des trucs de base, mec. C'est vrai qu'il y a un G-Doc des recettes. As-tu encore envie de te faire hypnotiser par Pierre Sica? Wow, cette émission date d'il y a plus de 6 mois, mec. Très bonne mémoire là-dessus, très propre. Les VOD m'ont donné envie de commencer le jeu, j'ai 35 heures de jeu déjà. Ah, il est prenant, hein. Surtout que, en fait, tu vois pas trop le temps passer, c'est ça le truc. Genre là, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est d'ailleurs. Et ben voilà, plus d'une heure que je joue. J'ai l'impression de... Ça fait 1h40 que je suis en live. D'accord. Après, on a regardé des infos vétérinaires sur les chats, j'avoue aussi. Allez, j'en fais un dernier. Non, non, j'en fais encore un. Attends, il est quoi? Attends jusqu'au matin.